Et hop là, de nouveau dans un let's play de Velvet Assassin, sorti en 2009 sur Xbox 360 et PC. La 360, est la seule console de salon qui a accueilli ce jeu. Ce que je trouve un peu dommage, mais enfin bon. Et donc voilà, je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir dit au revoir dans les précédentes vidéos. Voilà. Et en plus de ça, j'ai joué comme un pied, vraiment. Mais bon, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un jeu d'infiltration. Donc forcément, les phases d'action, c'est un petit peu mal foutu. Et pourtant, j'adore ce jeu. L'ambiance est géniale, le personnage est charismatique. Voilà. C'est un bon petit jeu. Pas trop moche en plus, ça va, ça passe bien. Plutôt joli même. Sans être très beau non plus. Mais bon, en tout cas, c'est un jeu que j'apprécie. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Bien sûr, il y a une bestiole sur mon écran de télé. Casse-toi. Voilà. Faut dire qu'on est en plein été, il fait une chaleur à crever, donc voilà. Après, c'est sûr que vous risquez de revoir ma main sur mon écran de télé plus d'une fois, je pense. Hein. Alors. Un autre niveau totalement différent. C'est marrant quand même un sifflet pour ces cons là, ça les excite. Quelle bande de blaireaux quoi. Arrête de chanter cette connerie, bon sang.
là 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 là. Qu'est-ce que ça me gave, cette putain de connerie, là? C'est pas vrai, ça. Putain, puis j'ai aucun flingue, là. C'est n'importe quoi. J'avais plein d'armes dans la mission précédente. Ça, c'est un truc que je comprends pas dans ce jeu-là. Dépêche-toi de passer devant moi, tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Voilà, ça c'est parti, et qu'est-ce qu'il y a ici là? Voilà. Para, para, para. Hop!
Terminé! Et voilà, ça y est, je suis à fond en furtif. Voilà! Où est-ce qu'ils sont, ces cons-là? C'est pas vrai, quoi. La musique est quand même sympa, hein. Stressante. Ils ont bien bossé. Hein. Too late. One of the agents had been caught, and the Gestapo knows how to make people talk. In other words, the man was as good as dead. I had to follow them to the prison, but first I had to find the other agents. Mais bien sûr, trouver les autres agents. Too late. One of the agents had been caught, and the Gestapo knows. Ouais, genre. Waouh, c'est un truc de fou, ça. Oh là là, attention les enfants, mais où est-ce qu'on va comme ça? Andrei Korchak, codename Yosef. His fight was over. The man was seriously wounded. But he did not want to swallow his pill. Home is always in the wrong direction, and Yosef would never make it out of here. I had no choice. And there was something I needed from him.
nous entend. Elle est complètement dans les vapes. Une raison de plus d'en finir au plus vite. Qui sait si elle se réveillera jamais. Non, on ne peut pas juste la tuer. Pourquoi donc es-tu revenu, Paul? Ils pressent tout le monde comme un citron. Ils ont défoncé toutes les dents d'Henri, et encore, il a eu de la chance. Deux hommes ont été descendus. Ils menacent de faire un massacre si personne ne leur dit où elle se cache. Maurice, ils sont sérieux. Il faut la leur livrer. Non, elle est unique. Nous ne devons pas l'abandonner, Paul. Tu sais ce qu'ils lui feront ? Je ne sais pas si vous avez réussi à bien entendre le doublage français. As my superior liked to say, there's only one thing worse than a captured agent. A captured agent without cyanide. I had to get this pill to the third agent. Un des gars a été trouvé, donc il est mort. Ça, c'est bon. Enfin, ça, c'est bon. Façon de parler. Ouais, je disais le doublage français. Je sais pas si vous avez bien entendu les voix et ce qu'ils racontaient. Mais bon, ça reste. Comment dire ? Que c'est un peu surjoué en fait le doublage français. Après c'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu surjoué, c'est pas très convaincant. À la différence finalement de. Bah, du doublage anglais, tout comme le personnage de Violette, la voix elle est superbe. Autant c'est bien joué, ça lui colle, ça lui va comme un gant. C'est. Non, là. Non, franchement, y a rien à dire quoi. Oh putain, mais sans déconner! Oh là là! Mais putain, mais c'est casse-couille quoi! Putain, mais c'est une blague ou quoi? Oh là là, je sais même plus où je suis maintenant, alors que comme ça, elle est pas mal. Ah merde, faut encore se retaper le truc là. Alors la pilule de cyanure. Pour éviter la torture, la pilule de cyanure pourrait être le dernier recours de l'agent Radek. Même une petite quantité de poison peut tuer en quelques secondes. Ah, écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Quand je pense que dans la mission précédente, j'avais un fusil à pompe et tout. Ah oh là 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 là, c'est un truc de fou les enfants, mais c'est un truc de fou. Arrêtez de discuter pendant des années, les gars. Ah oh là 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 là. Allez. Thank you.
Sans déconner, non! Mais c'est n'importe quoi! Mais c'est bidon! Putain! Puis vous avez vu, l'interaction du bouton, c'est pas fait correctement dans le dos. Ah, sans déconner, non, mais c'est... Oh là 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 là! Mais c'est n'importe quoi! Sérieux! Oh là 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 là! Ouais, là, c'est bon, là. Putain, je me casse plus les couilles, là. Sérieux, là. Ah non, mais bon, là, sans déconner. Je prends l'objet à collectionner et je me casse. Cassos, quoi. Cassos. Allez, dépêche! Allez! Putain, sans déconner, les gars! Allez! Mais c'est pas possible, ça, des trucs pareils! On s'en fout qu'il ait la fièvre de Varsovie, putain! On s'en fout, il a qu'à crever, quoi, c'est tout! C'est pas vrai, des trucs pareils, là! Voilà, ça c'est bon. Non, mais j'allais pas m'emmerder pendant des années avec ces mecs-là. Hein. Putain, c'est pas vrai! Mais sans déconner! Putain! Pourtant, là, j'entends le gaz se disperser. J'ai tiré dans le truc. On n'a pas eu le temps de voir le tonneau exploser, mais... Et j'entendais le pchit du gaz. Putain, ça m'énerve, ça. Mais c'est pas vrai!
Non, mais putain! Voilà, j'en ai ras le cul, là. Non, putain! Rah, j'avais oublié qu'il y avait des petits passages de merde, comme ça! Non, mais c'est pas possible, sans déconner! Allez hop, c'est bon là. Voilà. Ça c'est fait. J'étais au-dessus! Mais j'étais au-dessus! Mais enfin, j'étais au-dessus, quoi! Ah, les mecs, ils visent bien quand même, les bandes de petites salopes, là! Ah, les petites salopes, c'est qu'elles visent bien, dites donc! Le jeu est trop facile! Je vous l'ai dit, c'est non! Hein? C'est pas d'erreur dans ce jeu-là, mais non! Bon, bah allez, je vous laisse et bon, bah voilà, excusez-moi pour ces deux dernières vidéos, je me suis raté lamentablement. Bon, bah après tout, on avance un petit peu dans le jeu, quoi. De toute façon, on est quand même assez loin dans le jeu maintenant, hein. On n'est pas à la fin non plus, mais voilà. De toute façon, forcément, c'est voilà, il y a des phases un peu couillonnes, mais c'est comme ça. C'est un jeu d'infiltration, hein, c'est pas un jeu d'action bourrin, voilà, et ça, il faut se le dire, ça, hein. Bon, allez, je vous laisse, les amis, et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, bisous, ciao.